Bonjour à toutes et tous. Voici en quelques mots ce que cet ange peut nous accorder et ensuite la prière à ce bel ange. L'ange numéro 19, le Via. Le troisième ange gardien du cœur des trônes représente la partie jupitérienne des énergies de Saturne. Il faut savoir que c'est Ézéchiel Jupiter qui a transformé le monde, hérédité de Binaël Saturne, en ce luxuriant jardin nommé Éden. Le Via offre une anticipation de ce paradis, mais sans oublier la loi instituée par Binaël Saturne. Le Via veut produire l'homme équilibré, prudent, judicieux, mesuré, aimable, rempli de modestie et toujours de bonne humeur, même dans l'adversité. Il aura l'idée exacte de ce qu'il peut réaliser et de ce qu'il ne peut pas obtenir. C'est-à-dire qu'il saura bien équilibrer ses ambitions. Tout ce qu'il décidera aura des conséquences heureuses lors des réalisations, car il aura pu prévoir le bien général et les possibilités exactes de réalisation. De lui jailliront l'abondance, la richesse et la fécondité. Prière à l'ange Le Via. Le Via. Nettoie, ange Le Via, ma mémoire inconsciente et consciente de tous les éléments polluants. Éloigne de mes rêves les images effrayantes, monstrueuse ou libidineuse, et fait que mes imaginations aient un sens, afin qu'en les exprimant, mes frères humains puissent apercevoir l'univers futur. Sans frontières, dans lequel le bonheur resplendissant devra exister. Permets, ange Loevia, que je trouve mon point d'équilibre entre ma réalité matérielle et ma réalité imaginative pour que je puisse préparer un monde qui, aujourd'hui, se trouve au-delà de l'humain. Merci avec toute ma gratitude. Que l'amour et la lumière guident chacun de mes pas.